Les Ivoiriens, ils vont pas se faire climatiser quand même, les gars. Ce soir, devant tout leur peuple, il y aura tout le peuple au stade. Il y aura le président de la République. Il y aura tous les ministres ivoiriens, toute la classe politique. Il y aura la famille des joueurs, les voisins des joueurs. Même les animaux de compagnie seront au stade ce soir. Ça va être dingue! Les Ivoiriens, vous n'avez pas le droit de perdre. Parce que si vous perdez cette finale, tout le monde oubliera votre parcours incroyable, pour dire la vérité. On se rappellera que de cette finale perdue. Regardez l'équipe de France à l'Euro, on est traumatisé. L'équipe de France s'en est toujours pas remis. Même en gagnant une Coupe du Monde et en arrivant en finale de Coupe du Monde, on est toujours traumatisé par l'Euro 2016. Et j'espère que vous n'allez pas passer par ça, les Ivoiriens. Oh là, incroyable! En plus, si vous perdez, vous êtes chez vous. Vous pouvez même pas esquiver, vous pouvez même pas vous échapper. Vous sortez, vous êtes là devant chez vous. Oh là, dans la rue, tout votre peuple, vos voisins, vos cousins. Non, c'est chaud. Oh là, que c'est chaud ce scénario, les gars, sur la vie de ma mère. Non, c'est impossible. 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 Et tu vois rien. Oh là, non, impossible n'est pas ivoirien. Ou tu vois rien. On s'approche aussi de la Saint-Valentin pour ceux qui sont en retard comme moi, qui s'y prennent à chaque fois au dernier moment. Et surtout ceux qui ont honte comme moi d'aller chez le fleuriste. Quand je vais chez le fleuriste, je rase les murs. J'ai trop peur de croiser un mec que je connais. Mais ça y est, c'est fini, les gars. Fini cette galère. Maintenant, je passe par Dream Flower. Elle te livre tes roses en moins de 24 heures. Le livreur, c'est Mbappé, les gars. Maintenant, je passe que par eux pour mettre mon couple à l'abri, pour commander des roses, pour commander des roses éternelles. Vous allez voir la team. Je vous mets leur snap. Il est ici. Vous pouvez y aller. Livraison en 24 heures dans toute la France. Et livraison le jour même si vous êtes parisien, les gars. Vous avez au moins quelque chose de cool à Paris. Au moins ça. Donc la team, le snap, il est ici. Ajoutez-la. Il n'est pas trop tard pour la Saint-Valentin. Tu te plains d'être sans Valentine, mais tu offres même pas des roses à ta meuf, mon frère. C'est ici, les gars. Attention, les gars. Ce soir, le danger s'appelle Victor Osimhen. Il n'a toujours pas marqué dans la compétition. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Ivoiriens. Rien. Tôt ou tard, il va marquer, les gars, c'est sûr. En tout cas, la team, vous avez des superbes coques personnalisées chez Nowcase. Je vous rappelle, pour une coque de téléphone achetée, la deuxième, lui aussi, mérite d'avoir un petit maillot sur lui. Regardez toutes les coques que j'avais préparées. Tu mets ce que tu veux, ton club, ton équipe, ton joueur. Toc, 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 c'est le Maroc. Le patron de Hanout, incroyable. Même pas eu le temps de la sortir, les gars, qu'on est sorti. Oh là, que c'est un truc de fou. J'avais gardé tout ça pour les huitièmes de finale. Voilà. Eli Mané. Voilà. Faut la faire, là. Eli Mané aussi. Gassama, l'attaquant du Cameroun. Vous connaissez, les gars. Le capitaine du Cameroun, les gars. Donc voilà, les coques personnalisées. Ne faites pas comme Vitinha. Ne faites pas comme Pembania face à Metz. L'heure est grave, les amis. Il y en a marre des kebabs de merde. Les kebabs avec la framboise dedans, on n'en peut plus. Et regardez comme j'ai le sens du kebab, les gars. Ça, c'est mon kebab, c'est mon bébé, le kebab du peuple. Et regardez jusqu'au détail. C'est moi qui ai insisté pour que les boissons fraîches soient à l'extérieur du sac, les gars. Il y en a marre, en fait, des sandwichs collés à la canette. Voilà, les gars, c'est abusé. À la fin, c'est comme si tu mangeais une salade fraîche de crudité, c'est abusé. Magnifique, les oignons rouges, pain rond, comme le fessier, les gars. Faut qu'ils soient ronds, très important. Je vais m'occuper de ton cas, toi. Là, tu vas être un cadavre. Tu vas être mort dans pas longtemps. Je vais l'engloutir sans le mâcher, les gars. Oh, il est bien chaud, les gars. J'ai insisté sur ça aussi, bien brûlant. Double dose. Il dit Momo, faut doser. Non, non, pas du tout. Supplément Eden Hazard, supplément Cheddar. Pour les plus excentriques, que des pains ronds. J'ai même pris un pour le frérot, les gars, immigré parisien. Promis, je ne l'ai pas empoisonné. T'inquiète. Ah, c'était le premier test. Je vous dis la vérité, les gars, ma principale crainte, quand j'ai sorti mon kebab, les gars, Club Kebab, en fait, avant de sortir mon kebab, de trouver la bonne recette, j'en ai goûté tellement, les gars, et même quand il était prêt pour le tester, je l'ai testé bien avant vous, les gars, j'en ai mangé une dizaine. J'avais peur d'être gavé par mon propre kebab. T'imagines, frérot? C'est la pire des vies. Et c'est là que j'ai réussi mon test. Quand je l'ai mangé, les gars, le lendemain, je voulais manger que ça. Sur la vie de ma mère, quand j'ai faim, les gars, je veux manger mon kebab. Et
Oula, je vous dis 100% la vérité. Je vous dis pas ça pour jouer. Ouais, c'est mon kebab, je le mets en avant. Oula, les gars, je vous parle sérieux. La première chose que je voulais manger en arrivant à Paname, c'est mon propre kebab sur la vie de ma mère, les gars. Simple, efficace, à l'image du peuple. Oula, les gars, le kebab du peuple. C'est ça quand tu fais un kebab simple, en fait. T'es sûr qu'il va jamais te gaver, en fait. C'est ça qui est bien. Marinée Tex-Mex, encore plus bonne que ton ex. Ça sent trop bon sur la vie de ma mère. C'est ça que j'aime bien avec mon kebab, les gars. Il est toujours chargé. Regardez-moi ça, les gars. La vie de ma mère est toujours remplie. On dirait le stade Vélodrome. Un kebab à guichet fermé, les gars. Bon, là, regardez-moi le pain. Le pain, il a été fait par des boulangers, par les joueurs de Annecy, les gars. Ah oui. Ça m'avait manqué. Ça fait 3 jours. 3 jours, je ne l'ai pas mangé. Ça m'a trop manqué. Oh là. C'est la sauce club. Excellent. Je passe un super moment, les gars. Je sais pas vous. Tiens, croque. Croque, je te dis. Je vais le finir, les gars. Je vais le finir, les gars.